Bien le bonjour. J'espère que tu vas bien, que tu penses à toi, que tu as le sourire. En tout cas, moi, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait pluie. Voilà, les escargots vont être contents, surtout la nature contente. Je suis très, très contente de te retrouver. Aujourd'hui, je t'embarque à Silves. Alors, nous n'allons pas être que tous les deux. Et non. Il y a une abonnée avec qui je m'entends bien, qui s'est posée pour quelque temps, je ne sais pas combien de temps, ici à Ferreira, et on bouge. Et l'autre fois, donc elle s'appelle Mimi. Mimi vient, me dit, écoute, il va y avoir le festival de l'Orange à Silves, est-ce que tu as envie d'y aller? Eh ben allez, banco, on y va. Donc nous avons pris la voiture, avec des personnes avec qui j'ai un accord, et nous sommes partis. Et ce qui a été rigolo, c'est que bien sûr, dans la voiture, je n'ai pas le même pied que j'ai sur le camping-car pour filmer la route, etc., partout où je passe. Donc j'ai demandé à Mimi, bah écoute, est-ce que ça t'embêterait de filmer quand on est dans la voiture? Parce que moi, j'ai vraiment du mal à filmer. Ok, mais bon, ça va pas être top, je ne sais pas faire. Mais bon, finalement, elle s'est beaucoup amusée. Et moi aussi, j'ai filmé un peu quand j'étais au volant. Et quand j'ai vu ce que ça a donné, j'ai même pas eu envie de couper les doigts, les loupés, le tableau de bord, les pieds. J'ai pas coupé. Je t'ai tout laissé parce que quand j'ai regardé comme ça, sans couper, avant le montage, j'ai beaucoup ri. Ça m'a fait rire. Tous les trucs qu'on a fait, que Mimi elle a filmé. Donc, allez, je te laisse découvrir tout ça tout de suite. Let's go pour Sylvès. Bon alors, la route est jolie, mais conduire et filmer, regarder le paysage, c'est pas évident du tout, du tout. Je roulais tout doucement, mais ça fait rien, c'était pas facile. Ici, nous sommes sur la route de l'orange. En tout cas, ça tient bien son nom parce qu'il y a des orangers de partout. Il y a bien sûr aussi des clémentines et des citrons. Ça fait une végétation très verdoyante et très très jolie. Oui, les oliviers, on ne va pas vous oublier non plus. Obligatoirement, il y a aussi des oliviers. Ce n'est pas la peine que je te précise de nouveau que là, c'est encore moi qui filmais, donc c'était assez folklore.
voilà arrivé juste avant Sylvestre. Au loin, tu vois la forteresse et toute son agglomération. Festival de l'Orange, Sivès se dit la capitale de l'Orange. Intéressée à la liqueur d'orange artisanale, puisqu'actuellement j'en concocte, je ne sais pas quel mot employer. Là, j'étais un petit peu déçue, t'as vu cette couleur orange fluo. J'étais un petit peu déçue parce que la dame m'a dit qu'il mettait des colorants et qu'il mettait de l'arôme artificiel d'orange. J'étais un petit peu déçue. Bon, chacun ses choix. Une belle balade au cœur du festival. Eh ben oui, nous avions faim, donc allez, tu viens avec nous à table. Je crois qu'il y en a une qui se régale en mangeant alors le poulet stroganoff. Je ne sais pas ce qu'il a de stroganoff, mais Mimi a l'air de se régaler. Bon appétit Mimi. Faire quoi lui là à quatre pattes? Il veut peut-être attraper l'orange. Ouais,
peut-être. Il n'y avait pas grand monde au festival. Ça a été un moment très très agréable, très sympa. Et là maintenant, ben oui, madame, nous allons te quitter, nous allons partir à l'assaut des rues de Silves. Alors c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup voir ces petites rues dans ces villes. Je suis très très contente de conduire une voiture à ce moment-là, même si les doigts de Mimi passent un peu devant la caméra. Non mais c'est très rigolo, moi ça m'amuse beaucoup. Oui je sais, je m'amuse de pas grand-chose, je m'émerveille aussi de pas grand-chose. Mais à côté de moi, Mimi, elle est encore plus émerveillée de pas grand-chose, donc on fait un super duo. Regarde-moi ça comme c'est joli. Non, avec le camping-car, je ne me verrai pas grimper par ici. Visiter les rues de Silves, c'est super sympa. Par contre, il y a un moment, bah ici, on le voit pas bien. J'étais en face d'une impasse, d'un sens interdit. J'ai dû prendre une décision. Je savais vraiment pas où aller. Merci Mimi de nous montrer. Voilà. Attends, est-ce que tu vas nous le faire voir? Donc là, c'était une impasse. Je sais pas si t'as vu vite fait le panneau et à droite, c'était un sens interdit. Et à gauche, c'était interdit à tout véhicule. Et là, j'ai pris la décision finale. Oui, merci Mimi de cacher. J'ai remonté sur les 50 mètres à peu près le sens interdit. Aïe, 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 aïe. La forteresse n'aura pas été filmée extrêmement longtemps. Tant pis. Bon, va falloir que tu viennes au Portugal, à Silves, pour visiter la forteresse. Et après cette très sympathique visite de Silves, dans les ruelles,
vraiment coloré, j'adore, j'adore. Et ben nous tentons de repartir en filmant. Merci Mimi. Non, on repart quand même. Même si la vidéo est folklore et filmée d'une façon folklore entre Mimi et moi, eh ben on s'est bien amusé, on a passé une superbe journée. Et comme tu le vois, il faisait soleil et ça fait toujours du bien. Cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très belle fin de journée. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour être prévenu quand je fais des vidéos. Puis surtout un petit pouce en l'air, quoi. Ça fait toujours plaisir. Je te fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!